nord de Sétif s'étend la région montagneuse de Oued El Berd. Ce sont des massifs accidentés et abrupts, le plus souvent dénudés. Il s'agit d'une zone montagneuse qui donne sur trois wilayas différentes. La commune de Oued El Berd est située à 50 km au nord-est de la wilaya de Sétif. Elle est limitée au nord par la wilaya de Bjaïa, à l'est la wilaya de Djigel et la commune de Babor, au sud la commune de Tizine Bchar, à l'ouest la commune de Kharata. Oued El Berd constitue une enclave que ponctuent d'Ashra et hameaux dispersés sur des flancs montagneux. Elle est stratégique et est à cheval sur trois wilayas différentes. Cette position stratégique n'a pas pour autant aidé Oued El Berd à se libérer de son enclavement. La région de Egmoun renferme un patrimoine archéologique enfoui sous terre. On compte sur les spécialistes pour valoriser ces vestiges. Le site archéologique de Egmoun, dans la commune de Oued El Berd, est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Cette région a abrité de très anciennes civilisations humaines. En vérité, la chaîne des monts Babor a connu de nombreuses civilisations anciennes. Il est probable que le mot Babor, selon les historiens et autres chercheurs, tient à l'étymologie du mot Bavar, le nom d'une tribu qui est venue s'installer il y a fort longtemps dans les monts des Babor. Avant l'arrivée des tribus bavares, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babors ont connu de nombreux foyers civilisationnels grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées et ce depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavards s'est établie dans cette région. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djémila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Egmoun abrite une ancienne civilisation.
يعني مرت من على هذه المنطقة. ربما لو نلاحظ يعني في جبال أقمون. Au niveau des massifs de Gmoun apparaissent les monts des Babors qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouve des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du 3e siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Des monts Tababor et Babor en surplombent le site archéologique de Agmon. Il s'agit d'un site lié au 2e et 3e siècle, comme l'attestent ces pièces romaines de Agmon. De nombreuses structures de différents édifices en pierre de taille sont visibles sur de vastes espaces. Le site d'Egmoun communique avec les côtes djigéliennes et bjaoui. Les côtes nord djigéliennes renferment de nombreuses haltes portuaires carthaginoises puis romaines comme celles de Rabta et Cap Cavallo ou Laouana. De Djbel Gerouch et Ziyama Mansouria, on remonte en direction du site archéologique de l'antique Chauba. En effet, Chauba est situé sur le même axe routier reliant la cité enfouie d'Egmoun et la Mauritanie sétifienne. Cette région, à la fois montagneuse et méridionale, a couvé de nombreuses et variées civilisations humaines liées à différentes périodes de l'histoire. Cette commune dispose de nombreuses potentialités touristiques. Celle-ci abrite des monts, des forêts, des cascades de Ouled Ayed, des sites archéologiques de Egmoun. C'est une région de tourisme de montagne. Au pied des monts Babor Tababort, la région de Oued El Berd, grâce à de nombreux atouts, favorise l'écotourisme. Perchés sur des flancs de montagne, les habitants des hameaux de Oued El Berd pratiquent des cultures vivrières, l'oléoculture et surtout l'apiculture. Oued El Berd et sa région constituent aussi ce gisement à ciel ouvert où abondent de nombreuses sources hydriques.
Les falaises abruptes des Ouled Ayed sont aussi un habitat pour le singe mago. Malgré ses atouts, Oued El Berd et sa région souffrent de leur enclavement. En réalité, malgré les potentialités naturelles dont nous disposons, notre infrastructure hôtelière et notre réseau routier restent les plus défaillants. La commune de Oued El Berd reste cette région montagneuse où domine l'activité agricole et où prime l'arboriculture et l'élevage caprin. Les habitants de cette région de Oued El Berd vivent éparpillés sur ces montagnes accidentées où certains hameaux sont isolés du chef-lieu de cette commune montagnarde. Certains parmi ces hameaux sont coincés sur les flancs ouest du mont Tababord. Oued El Berd fait partie de l'ensemble géologique des monts Babord-Tababord. L'air protégé qui a été proposé, d'abord on a proposé une catégorie parc national sur une superficie de 24 000 hectares, qui se retrouve sur trois wilayas, la wilaya de Sétif avec deux communes, Babor et Oued El Berd, la wilaya de Djidjel avec la commune d'Iragen et la wilaya de Béjaïa avec les communes de Temrisht et Derguina. Donc nous avons été plus loin que toutes les propositions qui ont été faites auparavant, de façon à intégrer cette dimension de développement durable. Donc sortir uniquement des propositions antérieures qui étaient juste la protection de la forêt de Babor qui fait 2600 hectares. Il apparaît clair que Oued El Berd est au cœur du grand écosystème des monts des Babor. La gestion de cette région repose sur des paramètres des plus complexes. Il s'agit là de la préservation des biotopes existants qui renferment une flore et une faune des plus fragiles. Les riverains issus des hameaux de Oued El Berd semblent avoir compris la nécessité de protéger ce milieu naturel. L'association nationale Aria Aid a pris attache avec nous dans le but de classer les Babors comme réserve nationale protégée. En tant qu'association, nous avons eu le privilège de bénéficier de nombreux soutiens moraux et financiers de la part de Aria Aid. On a bénéficié de nombreuses formations à travers de multiples chantiers, des formations et des chantiers où nous avons appris comment préserver notre environnement et nos cours d'eau. Sur le terrain, Oued El Berd et toute la région piémontaise des Babors demeurent en proie à moult pressions liées essentiellement à l'activité de l'homme. Toutes ces richesses faunistiques et floristiques sont vulnérabilisées par certains riverains qui négligent leur importance.
Une riche faune existe dans la région. On a des hyènes. Dans les forêts, on entend des cris d'animaux qu'on n'a pas pu approcher. Il reste fort probable qu'il peut s'agir de cerfs et de mouflons. Notre forêt est encore vierge par endroits et renferme une riche faune. Le flanc ouest des Babors, attenant à Wadi Bered, renferme de denses forêts de cèdres et surtout de sapins de Numidie. Sa faune et son avifaune demeurent aussi riches et variées. La cueillette du thym s'effectue d'une manière anarchique dans un esprit mercantile où la plante est arrachée avec ses racines. Cette façon de faire détruit la plante. On y trouve de riches arbres fruitiers sauvages. Ils donnent des glands, des jujubiers. On trouve également de nombreuses plantes médicinales. Certains riverains véreux dégradent le couvert végétal existant lors des récoltes des plantes médicinales. La vifaune et la faune ne sont pas épargnées par la destruction. On assiste aussi au braconnage. Au printemps, connaissant les nids, certains riverains collectent les œufs des perdrix. Cette collecte des œufs de perdrix sert à la fabrication de gâteaux et autres crêpes. À cause de tout cela, la perdrix locale au Gombra est menacée de disparition. Le milieu naturel au niveau des Deshra et hameaux de Wadi Bered est soumis à de fortes pressions anthropiques où le braconnage reste un phénomène récurrent. De nombreux habitats abritant une riche avifaune et faune endémique ont été dégradés ou détruits par certains braconniers. La chasse au lièvre est préoccupante. On utilise les lampes à torches la nuit pour immobiliser et capturer le lièvre qui menace de disparaître. Certains riverains utilisent des poisons pour tuer le loup afin de protéger leur bétail. Les pièges empoisonnés détruisent aussi le lièvre. Concilier milieu naturel et riverain n'est toujours pas évident au niveau de la vaste commune de Wadi Bered. Comment protéger tous ces biotopes de la dégradation où l'homme demeure l'acteur clé dans ce processus de destruction de la nature? Les forêts de Wadi Bered, au niveau des lisières des monts Babor, sont aussi victimes des coupes de bois illicites et surtout des incendies. Le vieux Boutalbi Abdelkader, ancien bûcheron, effectue des travaux agricoles dans son petit lopin de terre. Il nous fait part des incendies de forêt qui se déclenchent en période estivale. Des feux sont dus aux jets de mégots et provoquent des incendies.
Il y a des pyromanes qui commettent des feux de forêt. On a participé à des opérations d'extinction de nombreux feux avec des forestiers et des sapeurs-pompiers. Le pâturage se fait en l'absence des forestiers. C'est un acte illégal qui se fait clandestinement. Le cheptel ovin n'est pas aussi nuisible à la végétation. Le caprin détruit les jeunes pousses. Le flanc sud des monts Babor a connu de nombreux incendies, des incendies commis par l'aviation de l'armée française durant la guerre de libération nationale. Les bouquets de cèdres incendiés au napalm sont toujours debout et les travaux sylvicoles tardent à voir le jour. Cette forêt n'a pas encore été purgée des bois morts et encore moins d'un reboisement. L'impact d'anciens incendies est toujours visible sur certains endroits de la cèdrerie. La région piémontaise de Wadi el-Bared constitue donc ce milieu naturel des plus fragiles. Le futur parc national de Babor-Tababor, d'une superficie de près de 25 000 hectares, s'étend sur trois wilayas et cinq communes. La partie située dans la wilaya de Sétif couvre 52% du territoire de la commune de Babor et 77% de celui de la commune de Wadi el-Bared. Wadi el-Bared et sa région constituent cette zone montagneuse qui domine au nord le golfe de Béjaïa et au sud les hautes plaines sétifiennes. Cette position géographique, l'altitude et la proximité de la mer contribuent à l'originalité du climat de cet ensemble montagneux. La région de Wadi el-Bared jouit d'un climat méditerranéen humide à perte humide. Celle-ci est caractérisée par des hivers rigoureux, de fortes précipitations, d'importantes chutes de neige et de longues périodes d'enneigement sur les sommets. Ici, en été, les averses soudaines ne sont pas rares et les températures sont relativement clémentes. De nombreux cours d'eau permanents et de multiples sources à débit importants sont utilisés par les riverains dans l'agriculture. En effet, Wadi el-Bared et sa commune font partie de la zone de transition du parc national de Babor-Tababor. Cette zone englobe aussi de petites et moyennes agglomérations. Dans cette zone s'exercent des activités humaines tournées essentiellement vers l'agriculture et l'élevage. Sa principale caractéristique réside dans l'agriculture familiale de montagne, dominée surtout par une diversité de variétés cultivées. La région de Wadi el-Bared est appelée donc à jouer un rôle primordial dans le processus du développement durable de ce territoire intimement lié à la réserve naturelle des Babor-Tababor.